pratique, c'est une sorte d'explosion ralentie. Et là, on aura aussi, il y a une sorte de tunnel, parce que c'est aussi, il y a aussi une référence à la mode de l'époque de faire des grottes artificielles. C'est vraiment comme une forme organique, on dirait. Ça ressemble à la fois à un corps ouvert, avec des organismes, des entrailles, mais aussi à un grand palais baroque. Tout ça, c'est aussi pour mettre en valeur une musique qui est extraordinaire. La musique accompagne. Il faut travailler avec la musique. En particulier dans le deuxième acte, il y a la fameuse aria de Astri Fiammante, qui est la, comment dire, le cri de douleur de la mer. No? C'est vraiment, comment dire, la matrice, c'est Clytemnestre. On est vraiment dans un contexte de tragédie grecque. Hein? C'est la cri de la mère qui veut la revanche contre le père. Et je pense que c'est important d'avoir un geste vrai. Parce qu'ici, on va toucher la nuda vita. Parce que je pense que Mozart, ce n'est pas. Il est capable de toucher la nuda vita, je pense. Il y a aussi un niveau très profond de spirituel chez lui. Moi, je ne crois pas du tout au récit de Sarastro. C'est un mensonge. Le pouvoir. Voilà. Je vais vraiment croire à cette cri de douleur, la lamentation de la mère. C'est quelque chose d'ancien.